souvenir est que vous aurez net fois l'occasion de revenir parmi nous. And now, Mr. Chairman, we're very pleased to have you with us. J'en ai eu aujourd'hui encore la preuve vivante et combien impressionnante en visitant l'université de Stanford. Je sais le grand nombre d'établissements universitaires et scientifiques de cet État. Je n'oublie pas que non loin d'ici, l'université de Berkeley est un des centres les plus avancés de la science. En même temps, il faut bien le dire, qu'une place forte de la jeunesse contestataire. Et cela me conduit à évoquer devant vous un problème que ma formation universitaire et intellectuelle, comme mon expérience gouvernementale, rendent à mes yeux à la fois passionnant, préoccupant, et par certains aspects désolants. Je parle de l'agitation qui s'est emparée de la jeunesse universitaire, dont tous les pays connaissent les effets, et qui s'est particulièrement manifestée depuis 2 ans. Les journées de mai 1968 à Paris en ont sans doute offert l'exemple le plus frappant. C'est en tout cas en France que les conséquences politiques ont été le plus importantes. Suivant une tradition de notre pays, où les manifestations d'étudiants ont été à l'origine de plusieurs de nos révolutions. Et comme vous le savez, nous sommes un pays particulièrement riche en révolutions. À partir d'une philosophie du désespoir, une sorte de foi dans la vertu de la destruction, dont ne pourrait sortir qu'un monde meilleur. Je dis un monde, car on ne nous propose aucune structure sociale à quelque niveau que ce soit, famille, cité ou État. Parfois, il est vrai, certains se laissent aller à un penchant plus ou moins secret pour le marxisme, fermant les yeux sur les sociétés marxistes existantes, dont il est pourtant difficile de nier qu'elles soient à la fois tournées vers la production, tourmentées par leur retard en matière de consommation et particulièrement peu portées à la libération. Ce néo-marxisme résulte d'une confusion intellectuelle due à l'existence de vases communicants entre des courants révolutionnaires d'origine très diverse. Ici, il s'agit de réactions sociales contre des régimes non évolués. Là, les réactions sont anticoloniales, ailleurs nationales ou d'origine raciale, parfois même tribale. Mais tous ces mouvements ont pour caractéristique commune de se produire dans des pays sous-développés, alors que le courant de pensée dont je parle a pris naissance dans les pays les plus évolués et met justement en question la nature et le sens de cette évolution. Que faut-il en penser? Quelle peut être notre attitude face à des hommes qui contestent les bases mêmes de notre civilisation
et cherchent leurs espérances dans une sorte de retour à l'état de nature, et leurs héros dans des pays où la révolution industrielle ne fait à peine que commencer. Notons qu'il n'y a là rien de tellement nouveau. Depuis Platon, d'innombrables philosophes ont dénoncé les méfaits de la civilisation. Et Jean-Jacques Rousseau a dit sur ce sujet tout ce que l'on peut dire. Il nous a même donné un manuel d'éducation naturelle qui répond pleinement aux exigences de nos étudiants et présente simplement cet inconvénient d'exiger un mètre par étudiant, ce qui, à l'époque où nous reconnaissons le droit de tous les enfants à l'instruction, paraît peu compatible avec la réalité. On est dans les classes bien pourvues. Sommes-nous donc en présence d'un vrai mouvement révolutionnaire ou d'un quelconque mal du siècle? S'il n'y avait que la jeunesse en cause, j'opterais pour la seconde explication. Sa critique, en effet, reste négative, au point chez beaucoup de ne conduire qu'au néant, à des gestes de destruction ou d'autodestruction. To die, to sleep. Plus qu'à Karl Marx, elle fait penser à Hamlet. To sleep, perchance to dream. Le suicide ou le meurtre gratuit, ou encore le rêve par la drogue, n'est-ce pas ce que nous voyons? Traduit, parfois si mal d'ailleurs, le comportement d'une partie de la jeunesse actuelle, et donc avant tout d'ouvrir les yeux sur le présent, de nous interroger sur l'avenir. Civilisation au total libérale, même si nous sommes tous, vous Américains y compris, loin du libéralisme classique d'Adam Smith, c'est l'épreuve décisive de notre siècle face aux pays communistes. Jusqu'ici, le système économique occidental, avec ses diversités parfois importantes, a, dans l'ensemble, largement gagné la course du niveau de vie. Mais il n'a pas réduit toutes les inégalités, ni éliminé la honte de ce que nous appelons les bidonvilles ou de ce que vous appelez les ghettos urbains, pour ne pas parler de bien d'autres misères mieux caché. Voilà, pour les dirigeants des démocraties, la tâche première. Et puis, il y a la pauvreté des autres. Je veux dire de cet immense monde du sous-développement, dans lequel des millions d'hommes se débattent quotidiennement pour ne pas mourir de faim. Pour nous, à qui l'on a appris que les hommes naissent libres et égaux en droit, quelle que soit leur race, leur couleur, leur origine sociale, il n'y a pas d'obligation morale plus évidente et plus pressante que d'apporter aux peuples démunis une aide accrue et efficace. La France, par suite de ses liens anciens avec beaucoup de ces pays, et, je crois pouvoir le dire par vocation naturelle, est à l'heure actuelle le pays qui consacre la part la plus élevée de son revenu national à ce que je considère comme un devoir de stricte humanité. J'ai l'intention, dans les années qui viennent, et au fur et à mesure que notre propre développement économique le permettra, d'accentuer cet effort. Je sais que ceci est au premier plan des préoccupations de votre gouvernement. Nous avons davantage besoin de foi que de raison, d'esprit communautaire que d'individualisme, d'espérance que de négation. C'est un mal moral. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, quitte à vous ennuyer, je me suis permis, devant vous, de moraliser quelque peu.
avec la Grande-Bretagne s'ouvriront. Je pense qu'elles s'ouvriront dans les prochains mois, au cours de l'année 70, assurément. Que leur issue dépend fondamentalement du gouvernement britannique et que, en dépit de l'opposition qui se manifeste dans l'opinion britannique, finalement, nous aboutirons à un accord et à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Disons que si j'avais à faire un pari, je parierais là-dessus. Mais quelquefois on perd, même sur les favoris. L'important, c'est que cette entrée de la Grande-Bretagne soit pour la communauté un renforcement et non pas une faiblesse. L'important aussi, c'est que le bloc économique considérable que constituera une communauté de 10 nations au moins ne soit pas pour les États-Unis même une sorte de concurrent, ou plus exactement, ce bloc sera forcément un concurrent pour les États-Unis. Il faut donc que cette concurrence, nous sachions la limiter et la rendre, je dirais, courtoise, si ce terme convient aux rapports économiques. Ce qui veut dire qu'il faut que la communauté soit libérale et non pas renfermée sur elle-même. Faute de quoi, elle inquiéterait et gênerait les États-Unis. Mais il faut aussi que les États-Unis soient libéraux et ouverts. Faute de quoi, les relations avec la communauté seraient difficiles. J'ai parlé de ces questions avec le président Nixon, avec M. Rogers, avec M. Kennedy, et je crois que nous sommes les uns et les autres conscients que l'élargissement de l'Europe, créant une puissance économique considérable, posera des questions pour les rapports économiques avec les États-Unis et qu'il importera que les dirigeants des États-Unis et ceux des nations européennes soient les uns et les autres prêts à résoudre ces questions dans l'esprit libéral et non pas protectionniste. Your Excellency, do you favor a single European currency? Ce n'est pas tout à fait de la science-fiction, mais c'est tout de même une question qui n'est pas tout à fait actuelle. La situation des différents pays de l'Europe, leur propre tradition, leur propre système, l'évolution de leur monnaie qui est très loin d'être toujours parallèle, tout cela fait que la marche vers une monnaie européenne unique est encore une longue marche. Mais vous avez pu voir dans la presse que, au cours des mois derniers, à plusieurs reprises, les ministres des Finances se sont réunis, que nous-mêmes, moi-même à La Haye, avec les chefs des gouvernements, nous avons engagé cette marche vers un rapprochement économique et monétaire et que déjà un certain nombre de décisions préliminaires ont été prises pour que les différentes monnaies se portent une aide mutuelle. La question de la monnaie européenne n'est d'ailleurs pas tellement une question strictement européenne. Avant la guerre de 1914, il n'y avait pas une monnaie européenne.
mais toutes les monnaies étaient convertibles. Le franc belge, le franc suisse, la lire italienne, le marque allemand, le franc français, on pouvait passer de l'une à l'autre absolument librement, facilement, sans difficulté. Chacune avait sa valeur, une valeur stable, connue par rapport à l'autre. Et une monnaie unique ne changerait pas grand-chose à une situation de cet ordre. La vraie question, vous le savez bien, c'est de savoir si ce bloc monétaire européen pourra devenir, si je puis dire, une seconde colonne de l'édifice occidental, l'autre colonne étant le dollar. Et en réalité, la vraie question, c'est de savoir quel est l'avenir des relations entre la monnaie européenne ou les monnaies européennes, si elles sont stables, et le dollar. Et par conséquent, c'est la question à la fois de la stabilité des monnaies européennes et de la stabilité du dollar. Et quand je dis stabilité du dollar, je veux dire stabilité réelle en pouvoir d'achat. Ce qui n'est pas le cas dans une situation où, comme aujourd'hui, les prix aux États-Unis augmentent de l'ordre de 5% par an. Ce n'est pas que ça me stupéfie, moi français, étant donné qu'il faut bien le reconnaître, nous avons l'habitude de hausses de ce genre. Mais précisément, tout l'effort que je fais depuis la dévaluation, tout l'effort que fait mon gouvernement, c'est de nous orienter vers une situation de stabilité, c'est-à-dire une situation où les prix soient sinon stables, je crois que c'est un rêve, tout au moins n'augmentent pas de plus de 2-2,5% par an, disons, par exemple. Situation que les États-Unis ont connue pendant de longues années depuis la guerre. Si nous avons cette stabilité des monnaies européennes, ou d'une monnaie européenne, stabilité du dollar, je crois que les questions théoriques de l'étalon or ou de ceci ou de cela n'ont pas très grande importance. Mais si nous nous maintenions dans une situation d'instabilité, eh bien je crois aussi que nous irions vers des situations difficiles, qu'il s'agisse d'une crise économique qui n'est jamais exclue, qu'il s'agisse d'un retour de chaque nation au protectionnisme, chacune cherchant à s'abriter derrière ses propres frontières pour éviter en quelque sorte la contagion des autres. Et c'est pourquoi, puisqu'on m'a posé cette question de la monnaie, j'en ai profité pour vous dire à toutes et à tous à quel point je crois que la lutte contre l'inflation pour la stabilité monétaire est à l'heure actuelle partout et aux États-Unis particulièrement un devoir, non seulement vis-à-vis des citoyens de ce pays, mais vis-à-vis du monde libre tout entier. Ladies and gentlemen, upon the adjournment of the meeting today, I'd like to, on behalf of the Commonwealth Club of California, the members gathered here in the Grand Ballroom of the Fairmont Hotel with their charming guests today, and the many others who are watching this program on television or listening to it on one of our many radio stations, I'd like to thank His Excellency, the President of France, for his remarks to us. We wish him well and his charming bride on the rest of their visit to the United States. And now, I have a very difficult test for the President of France. I'm going to see how observant he is. The next questioner asks, who designed the beautiful dress that Madame Pompidou is wearing today? J'ai peur de dire une énormité. Mais je crois que c'est Chanel. C'est vrai. Very well done.
The meeting is adjourned, and please would you remain in your seats until we've left the room.